Alors, un problème de modélisation et optimisation en seconde internationale et système français. Alors, les données sont les suivantes. Alors, j'ai un triangle ABC. J'ai un point M qui se balade sur le segment qui appartient au segment AB, se balade sur le segment AB. La longueur AM, elle est égale à quoi? Elle est égale à X. Mais le triangle AMN est un triangle isocèle. Donc de même, la longueur AN, elle sera égale à quoi? Elle sera égale à X. La longueur AB est égale à 8. La longueur AC est égale à 6. Bon. On me demande de déterminer une fonction F qui représente quoi? Il représente l'aire de la partie assurée en verte, c'est-à-dire l'aire du quadrilatère MNCP. Alors, on me demande à déterminer le domaine de définition de cette fonction-là f de x, qui est l'aire de ce quadrilatère-là, et d'étudier, si vous voulez, les variations de quoi? Les variations de la fonction f de x suivant les valeurs de x. Donc, pour activer l'aire de, pour trouver l'aire de ce quadrilatère-là, et bien, imaginez, regardez bien, et bien, j'ai un grand triangle, le triangle ABC, j'ai un triangle isocèle ANM, j'ai un autre triangle PMB. Donc, si j'arrive à calculer l'aire du grand triangle ABC, l'aire du triangle isocèle AMN et puis l'aire de ce triangle-là, et bien on arrivera à quoi? À calculer l'aire de ce quadrilatère-là. Donc d'abord, X, lui, AM égale X, mais AM c'est encore AN. Donc AN est encore égal à X. Donc X, il appartient à quoi? Il appartient au segment 0, au segment, si vous voulez, au segment 0,8, inter le segment 0,6, vous voyez? AM égale AN égale X, M appartient à AP, donc AM égale AN égale X, donc X appartient à l'intervalle 0,8 et X appartient à l'intervalle 0,6, donc finalement X appartient au segment 0,6. Donc le domaine de définition de la fonction, eh bien, c'est tout simplement l'intervalle 0,6. Alors le calcul maintenant de l'aire, eh bien F de X égale l'aire du quadrilatère MNCP. On calcule F de X, calcule F de X, donc voilà F de X. Et bien F de X égale l'aire du grand triangle moins l'aire de quoi? Du triangle AMN. AMN. Moins encore l'aire du triangle MPB. L'aire du triangle ABC. Base fois hauteur divisé par 2. Donc ça sera 8 fois 6 sur 2. L'aire de ce triangle-là, puisque AM égale X et AN égale X, donc j'aurai un triangle isocèle. Son aire, ça sera la base, X multiplié par la hauteur, X divisé par 2. Donc moins X au carré sur 2. Moins maintenant, l'aire de ce triangle-là, savoir la base MB, multiplié par la hauteur PN, parce que j'ai un angle droit ici, le tout divisé par 2. Mais il faut exprimer cette hauteur-là. Cette hauteur sera exprimée par quoi? Par une configuration de Thalès appliquée au grand triangle, puisque PM, elle est parallèle et perpendiculaire à AB. Donc j'ai le parallélisme de ces deux droites-là. Donc la configuration de Thalès permet d'écrire BM sur BA égale quoi? Égale BP sur BC égale MP, si vous voulez, sur AC. Donc ces deux rapports-là me permettent d'exprimer PM. Donc PM égale quoi? Égale AC multiplié par BM, le tout divisé par AB. Donc en fonction de X, on trouve MP égale 6, AC égale 6, BM ça sera 8 moins X, le tout divisé par AB, à savoir 8. Donc finalement, l'aire F de X, il est égal à 24 moins x carré sur 2 moins 1 demi. Facteur de MB. Facteur de MP.
Alors MB, ça sera 8 moins 10, facteur de MB, c'est-à-dire 6, multiplié par 8 moins 10 sur 8, le tout sur 8. Donc f de x égale, je développe mes calculs tout doucement, j'arrive à f de x égale jusqu'à cette expression-là. Or, cette expression-là, on va la canoniser. On vous a appris comment canoniser un trinôme. Alors, pour canoniser un trinôme, alors je passe cette ligne-là. Pour canoniser un trinôme, alors, si j'ai un trinôme f de x égale, ax carré plus bx plus c, et bien on vous a appris à l'écrire est égal à quoi? Il est égal à a facteur de quoi? De x plus b sur 2a, le tout au carré, plus quoi? Plus un certain nombre alpha. Ou bien si vous voulez, alpha est égal tout simplement plus, si vous voulez, f de quoi? F de moins b sur 2a, directement. Voilà la canonisation. Alors, on va appliquer notre formule de canonisation à l'expression moins 7 huitième de x carré plus 6x. Voilà le A, notre fameux A. C'est quoi? C'est moins 7 huitième. B, c'est quoi? C'est 6. Mais C, c'est quoi? C'est 0. Donc, la canonisation directement, on factorise par A. Donc, moins 7 huitième facteur de x moins x moins 24 sur 7 au carré plus 72 sur 7. Donc voilà la canonisation de ce trinôme. Alors maintenant, on me demande d'étudier les variations de cette fonction-là. Or, vous avez déjà vu que si a est supérieur à 0, et bien, dans l'intervalle x, dans l'intervalle, si vous voulez, moins l'infini, moins b sur 2a, la fonction, elle sera décroissante. Et dans l'intervalle b moins b sur 2a plus l'infini, elle sera croissante. Si a est positif. Maintenant, si a est négatif, il faut inverser la monotonie. Dans l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a, elle sera comment? Elle sera croissante. Et dans l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini, elle sera décroissante. Donc, on est dans le deuxième cas. Donc, directement maintenant, le tableau de variation de cette fonction-là, f. Alors, variation de f. Et c'est x. Le domaine de définition tout à l'heure, c'est quoi? C'est 0, 6. Ce nombre-là, il s'annule pour x égale 24 septième. Voilà. Alors, a est négatif. Donc, si vous voulez, variation, alors, variation de f, alors, donc, elle sera croissante. L'image de 24, ça sera quoi? Ça sera 72 sur 7. Et donc, le deuxième intervalle, elle sera décroissante. Voilà. Donc, voilà le tableau de variation de votre fonction. Elle croît dans l'intervalle 0, 24 septième. Et elle décroît dans l'intervalle 24 septième, 6. Alors, maintenant, la dernière question est quoi? Et que pour quelle valeur de x, l'aire de ce quadrilatère est maximale?
pour quelle valeur de x l'air. Alors, l'air maintenant, voilà l'air, on vient, voilà l'air de ce quadrilatère là. Alors, pour quelle valeur de x il est maximal? Regardez bien, notre fonction là, elle est croissante sur cet intervalle là, elle est croissante. Donc, elle sera maximale pourquoi? Pour x égale 24 septième. Donc, l'air f de x est maximal. F de x est maximal. Est maximal pour x égale quoi? Égale 24 septième. Et quel est ce maximum là? Et bien, si x égale 24 septième, et bien le maximum c'est tout simplement 72 sur 7. Pour f de x est maximal pour x égale 24 septième. Et ce maximum est quoi? Est 72 sur 7. Voilà le maximum de cette fonction-là. Maintenant, la dernière question. Résoudre l'équation f de x égale, résoudre l'équation f de x égale combien? F de x égale 17 sur 17 demi. Alors maintenant, f de x égale 17 sur 2, donc je remplace f de x par sa valeur. Donc j'aurai quoi? J'aurai moins 7 huitième facteur de x moins 24 septième plus 72 sur 7 égale quoi? Égale 17 sur 2. Donc attention au carré. Et bien, je résous cette équation-là. Je transpose 72 sur 7 deuxième membre, donc j'aurai quoi? J'aurai moins 7 huitième facteur de x moins 24 septième au carré égale 17 sur 2 moins 72 sur 7. Et bien, égal. Alors, 7 multiplié par 17, alors 17 multiplié par 7. Et bien, 7 fois 7, 49. Et bien, ici, 10. 7 plus 11, alors, 7 fois 7, 49. Donc, ici, j'aurai 11. Donc, 119. Et bien, 119. Alors, donc, égal, si vous voulez, 119. 119 moins 2 fois, donc 144, moins 144. Moins 144 sur combien? Sur 14. Et bien, égal 144, 119 la différence, 9 fois 2, 14, et bien, reste 5, 2, reste 2. Donc, si vous voulez, égale combien? Égale moins 25, égale moins 25 sur 14. J'efface ce tableau de variation. Donc, j'aurai finalement x moins 24 sur 7 au carré égale quoi? Alors, égale tout simplement 25 sur 4 multiplié par 8 sur 7. Parce que si j'ai le signe moins et si j'ai le signe moins. Donc, je simplifie, si vous voulez ici, on simplifie par 4. J'aurai ici 2. 2 multiplié par 25, ça fait 50 égale
C'est compte sur combien sur 7. L'équation x moins 24 sur 7 au carré égale 50 sur 7. Eh bien, ça me donne quoi? Ça me donne x moins 24 sur 7 égale 50 sur 7. Ou bien x moins 24 sur 7 égale moins 50 sur 7. Donc, j'obtiens x égale quoi? Égale 74 sur 7, 74. Égale 74, alors c'est bien ça, 74 sur 7. Ou x égale, et bien ça sera quoi? Ça sera 24, ça sera 24 sur 7, alors moins 50. Ah, là il y a une erreur, attention, il me semble qu'il y a une erreur ici. Égal à 17 sur 2. Donc x égale 14 sur 2. Donc x égale 2 ou x égale 4 sur 5. Donc ici, attention. Donc ici, voilà. En résolvant cette équation-là, en résolvant cette équation, nous aurons, si vous voulez, tout simplement x égale 2 ou bien x égale 34 sur 7. Et ces deux valeurs-là appartiennent à l'intervalle, vous voyez, x il appartient à quoi? À l'intervalle 0, 6. Voilà. Donc voilà les deux valeurs pour lesquelles f de x égale 17 sur 2. Et c'est terminé.